sur cette route. On Quand... participe à tout, hein, ici. Donc là, moi, C'est du direct. J'ai une fenêtre qui est apparue. Cette réunion est en cours d'enregistrement. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Continuez. Et c'est parfait. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir M. Pitot ce soir, qui est professeur agrégé et en même temps grand photographe, et qui a fait énormément d'expositions et un peu partout, notamment à Paris, en France, à Bordeaux, un peu dans toutes les grandes villes. Il y a eu plusieurs livres extrêmement intéressants sur la photographie qui ont été faits par Monsieur Pitot. Et je laisse la parole à Monsieur Pitot qui va nous parler de l'espace intime. Oui, merci Madame Gillin. Bonsoir à tous. Pardon pour le petit retard technique, mais bon, voilà, je crois que ça marche. Vous m'entendez? Très bien. Bien. Bon, vous voyez la première image, c'est-à-dire le titre, en fait. Alors, le titre, l'espace intime, c'est le titre qui a été un peu guidé par le thème annuel du centre culturel, c'est-à-dire l'espace. Donc, j'ai essayé de travailler un peu sur la question de l'intimité en photographie, de l'espace intime en photographie. Et c'est donc des photographes, des œuvres que vous allez voir qui sont reliées à cette question de la façon de représenter son espace intime en photographie. Alors d'abord, parler d'espace intime en photographie est pour certains un peu paradoxal, un peu inattendu, car la photographie est souvent liée à l'idée d'ouverture, à l'idée d'extérieur, d'ouverture, d'aventure pour certains, de voyage, de reportage pour les professionnels. Bref, la photographie, c'est souvent être hors de chez soi et parfois même hors de soi, hein, c'est-à-dire dans une attitude de découverte, une pratique centrifuge, en somme. Il y a eu pendant plusieurs années une publicité de Canon qui va dans ce sens et que je trouve intéressante, qui était « Le monde est à vous ». Et vous voyez que là, nous sommes au contraire dans une pratique d'ouverture, de voyage, d'immensité, contrairement à l'intimité, hein, qui suppose un espace réduit. Pourtant, la photographie intime que vous allez voir, c'est une ouverture. C'est un espace ouvert, mais non plus un espace ouvert sur l'extérieur, sur le monde qui serait à nous, d'après Canon, mais plutôt un espace de proximité, de quotidienneté, bref, d'intimité qui s'ouvre, car l'intimité, c'est en général justement ce qui est fermé, ce qui n'est pas sous le regard de l'autre. Et là, vous allez voir des photos qui s'ouvrent sur un monde privé, un monde préservé. D'où parfois de cette forme de photographie une attente qui est naturelle, c'est-à-dire on attend une certaine vérité ou en tout cas une certaine authenticité de la part du photographe qui se montre ou qui prétend montrer sa vie intime. Ce qui n'est pas facile, car il y a des limites, disons, qui sont dues tout simplement à l'image, qui sont dues à la photographie. Pourquoi? Parce que quand on parle d'intime, d'espace intime, on pense à journal intime, on pense à autobiographie éventuellement, c'est-à-dire on pense à un texte où on parle de soi et où on montre son monde, soi-même, ou son univers, ses proches, sa propre vie. La photographie ne parle pas. Une photographie est plus ou moins muette. En tout cas, une photographie ne peut pas dire « je ».
Et le « je », c'est toujours le premier mot du journal intime, et c'est souvent le premier mot de l'autobiographie, c'est en tout cas, du point de vue de l'énonciation, la présence de l'auteur dans son texte. Et la question qui se pose pour l'espace intime en photographie, c'est aussi celle-ci, c'est-à-dire comment dire « je » en photographie. Et vous allez voir quelques réponses de photographes, puisqu'il n'est pas question de dire « je pense », « je sens », il n'est pas question d'évoquer des sentiments ni des pensées, on ne peut que montrer des choses soi-même, des proches, le monde extérieur, ces objets, mais la photographie ne pense pas, si j'ose dire. Et elle est inapte à évoquer autre chose que le réel. Dans une autobiographie, dans un journal intime, dans l'espace de l'intimité écrit, on peut évoquer quelque chose qui n'existe pas. C'est parfois d'ailleurs ce que l'on trouve dans les autobiographies ou dans les journaux intimes. On trouve des rêves, on trouve des craintes, on trouve des angoisses, on trouve des choses qui ne sont pas de l'ordre de la réalité matérielle, palpable. La photographie, elle est rivée à la réalité. Et parler de soi en photographie, c'est dans tous les cas montrer une réalité. D'autre part, la photographie ne peut pas évoquer ce qu'on évoque souvent dans le journal intime ou dans l'autobiographie, c'est-à-dire son propre passé. La photographie est arrimée au présent, à l'instant présent. On ne peut pas non plus évoquer en photographie le futur. On ne peut pas dire « voici mon rêve, mon désir, voici mon angoisse que ce que fait l'autobiographie ». La photographie est, elle, sur le présent du 125e de seconde, de l'instant où le photographe fait sa photo. Il y a donc un ancrage temporel qui fait que parler de soi, parler de son intimité en photographie, c'est une métaphore par rapport au texte écrit. Autre point que je voulais signaler en commençant, c'est que la photographie, justement, montre, et en montrant, prend le risque d'un exhibitionnisme, d'un narcissisme, et la question se pose avec un certain nombre de photographes, et vous verrez que certains de ces photographes, enfin, je pense à une en particulier, a été plus ou moins accusé d'exhiber sa vie intime, au point que parfois on l'a accusé d'indécence, d'impudeur, enfin vous allez voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Et de s'occuper que de soi-même, au fond. C'est une des accusations qui est faite à la photographie de l'intime. Puisque je parlais d'autobiographie, Malraux disait, il a écrit une autobiographie qu'il a appelée justement « Les anti-mémoires », Malraux disait « Que m'importe ce qui n'importe qu'à moi ?» Et le risque d'une photographie qui parle de soi, c'est bien sûr ce narcissisme ou cet exhibitionnisme. Malraux parlait aussi du misérable petit tas de secrets que l'on a tendance à ouvrir dans une autobiographie à l'autre. Et puis, le risque aussi, c'est le risque de platitude. Et vous allez voir comment des photographes, bien qu'en photographiant leur quotidien, évitent ou pas, vous le direz, évite le risque de la platitude du quotidien. Alors, pourquoi montrer sa vie intime? Vous allez voir, il y a diverses pistes. C'est bien sûr, comme toute personne qui utilise un appareil photo, c'est d'abord pour retenir la fuite du temps, pour fixer un instant présent, pour le conserver, pour le transmettre, dans certains cas, comme l'album de famille. C'est aussi pour certains, vous le verrez avec une photographe, c'est aussi pour certains une façon, un détour par image pour mieux se connaître, pour mieux pratiquer une réflexion sur soi, pourquoi pas une introspection grâce à la photographie, pour vérifier qu'il y a coïncidence entre l'image de soi que l'on fantasme, que l'on construit, et l'image que révèle la photographie et qui va être montrée aux autres. C'est parfois pour certains, vous allez le voir avec une photographe en particulier, se faire autre, c'est-à-dire parler de soi, mais dans une mise en scène de fiction de soi. Faire un récit de soi, créer un personnage que l'on endosse. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Se faire autre, d'une certaine façon. Et puis, photographier sa vie intime, c'est aussi la vivre deux fois. La vivre dans la réalité et au moment de la photographie et par la photographie, doubler sa vie.
et donc ainsi l'intensifier. Et certains photographes pratiquent la photographie intime en ayant ce sentiment de vivre deux fois grâce à la photographie. Et puis aussi, certains photographes font des autoportraits ou photographient leur vie pour se découvrir sous le regard des autres. Se montrer parce que l'on sait que c'est le regard de l'autre qui nous fait exister, ou d'une certaine façon, en tout cas, qui nous donne notre identité. Et puis enfin, vous verrez que les derniers photographes que je veux vous montrer interrogent aussi le rôle de la photographie et la photographie dans sa façon de montrer une image de soi qui, pour certains, pour certaines, je pense à une photographe, vous verrez, l'image de soi qui est remise en cause et qui est discutée, qui est interrogée. Voilà. Alors, ce sont ces différentes pistes que je vous propose d'examiner, pour certaines un peu rapidement, avec l'exemple de photographes de différentes époques et de différents pays. Voici la première. La première, c'est une photographe française qui s'appelle Claude Bateau, qui est née en 1935 et qui est morte en 1981, d'une longue maladie, comme on dit, et qui a photographié sa vie intime sans se photographier. Elle fait partie de ces photographes qui photographient leur univers, mais qui s'absentent de leur univers, ou en tout cas qui n'en montrent que des indices, que des objets, hein, des signes de vie, si vous voulez. Ce qu'on peut appeler des natures mortes, hein, à la façon de la peinture de Chardin, par exemple. Toujours Claude Bateau, et Claude Bateau photographie pas n'importe quoi quand même. Hein. Vous avez vu un travail sur la lumière dans les précédentes, sur la texture, sur les matériaux aussi. Vous avez ici encore une tache lumineuse qui met en valeur un petit coin d'armoire, de bahut. Entre parenthèses, le buffet comme l'armoire sont des objets de l'intimité, peut-être les plus intimes de l'intimité. Vous savez qu'on met dans les armoires, dans les bahuts, ce qu'on a de plus intime. Des objets très personnels, des draps pliés, de l'argent caché dans les draps parfois, des bijoux, des lettres précieuses, etc. Et donc le bahut, l'armoire, même s'il ne montre pas évidemment le photographe, parle de son intimité d'une certaine façon. Alors Claude Bateau, toujours elle, photographie non pas les gestes de la vie domestique, de la vie quotidienne, mais ce qu'il en transparaît par les objets que vous voyez. Ces photographies sont extraites d'un livre qu'elle a publié en 1977 qui s'intitule « Le moment des choses ». Choses de son espace, intime bien sûr, mais qui sont les indices, les marques métonymiques de son travail. Je ne le précise pas, je crois que c'est assez net. Qu'elle accompagne d'un travail évidemment sur la lumière. Hein. Ces objets sont plutôt bien cadrés, hein, avec un travail de lumière qui la caractérise. Même les enfants dégagent cette impression d'intimité, de paix, de tranquillité que l'on trouve dans ce livre, Le moment des choses. Moment des choses qui, soit dit en passant, a été publié en pleine mouvance féministe par une édition qui s'est appelée Les éditions des femmes. Et voici encore une image de paix de cet enfant et d'abandon sur le canapé. Une éponge qui pourrait être une nature morte ordinaire, hein, sur la baignoire de Claude Bateau. Sauf que c'est un petit clin d'œil pour les photographes et vous allez avoir une explication avec l'image suivante. C'est dans cette baignoire que Claude Bateau lavait ses photos après les bains de révélateur et de fixateur et qu'elle laissait sécher sur des fils au-dessus de la baignoire. Donc vous avez une image dans l'image, hein, vous avez la photographie qui est mise en abîme de la photographie précédente.
La photo du père, c'est le titre que Paul Bateau a donné à cette image. Photo du père, vous voyez donc une photo dans la photo, hein, comme la précédente, mais sur un autre registre, qui efface le père, hein, qui efface le père par ce qui est justement l'outil de la photographie, c'est-à-dire la lumière. Hein, donc une image qu'on peut interpréter comme on le voudra, hein, qui peut évoquer aussi une tradition qui était que le jour de la mort d'un défunt dans une maison, on recouvrait les tableaux et en particulier les portraits peints ou photographiés de toute la maison par un drap ou par un tissu, hein, quelconque. Et on recouvrait également les miroirs. Et cette façon de recouvrir l'image du père me fait penser à cette tradition. Et vous voyez aussi comment une image d'intimité la plus ordinaire qui soit, hein, la photo dans une chambre, peut passer de l'intimité, de la familiarité à une certaine étrangeté. Nous quittons Claude Bateau pour un photographe que j'ai placé juste après elle parce que je sais qu'elle l'appréciait beaucoup. C'est un photographe tchèque qui s'appelle Josef Sudek, qui a vécu à Prague et qui a une histoire très particulière. Il a été soldat dans l'armée austro-hongroise et blessé très gravement au bras droit et amputé en 1916. De cette amputation naît une vie de repli sur lui-même dans un espace intime, pour ne pas dire plus, un espace très confiné, je ne veux pas trop employer ce mot actuellement, mais enfin, un espace de repliement, de solitude. On dit que c'était un être très replié, très timide et qui s'est contenté de photographier un espace réduit. Pendant du moins un certain nombre d'années, parce qu'il a aussi photographié de l'extérieur de Prague, mais ces photographies que je vous montre sont des images quotidiennes de son refuge, on pourrait dire, hein, car c'était un atelier très, très sombre. La lumière venait de l'extérieur par ses fenêtres qu'il a beaucoup photographiées, ce qui, par la même occasion, d'ailleurs, transformait son atelier en caméra obscura, car c'est le principe de l'appareil photo. La lumière vient de l'extérieur et elle entre dans une boîte noire pour impressionner un film. L'atelier étant ici la boîte noire, la lumière entrant par la fenêtre. D'où toutes ces fenêtres qui l'a photographié avec les objets de l'intérieur. Donc c'est une image d'extérieur et c'est une image d'intérieur intime. Et vous le voyez, la buée sur les vitres nous fait dire que cet intérieur était intime et que c'était un nid aussi. C'est-à-dire que ben, nous sommes à Prague, hein, plus l'hiver est froid, plus le climat est rude, et plus le nid est chaud et plus l'intimité est accueillante, hein, l'intimité de l'atelier. Voici encore une image de fenêtre, toujours de cet atelier de Sudek. Petit espace qui était très désordonné, très sombre, dit-on. Baudelaire disait, dans un palais, il n'y a pas un coin pour l'intimité. Et nous avons là, paraît-il, hein, un atelier très modeste, très encombré, très sombre, qui a fait les beaux jours du photographe Sudek, qui photographiait l'extérieur de l'intimité de cet atelier. Voici encore une photographie de Sudek. Et voici l'opposé même. J'ai choisi de vous montrer Jacques-Henri Lartigue, voici une photo de lui, juste après Sudek, parce que c'est très exactement le contraire. C'est très exactement le contraire, et s'il y a ici une intimité, c'est une intimité de joie de vivre, de mouvement, d'ouverture, le contraire de Sudek, d'espace large, léger, avec une atmosphère non pas de modestie comme on l'a vu chez Sudek ou Claude Bateau, mais au contraire de vie mondaine, de luxe, qui marque aussi un véritable appétit de vie chez Lartigue, un plaisir, un goût de la vie, une sensualité. C'est un hédoniste chic, Lartigue. Riche, bien sûr. Si vous avez déjà vu les photos, j'imagine, hein, il est très connu. C'est lui qui a fait le portrait de Giscard d'Estaing. On peut y voir certains éléments. Bref.
C'est en tout cas, dans les photos que vous voyez, une intimité. Alors là, tout en extérieur, ce sont ses parents, Bibi, sa femme, ici, hein, qui joue au tennis, ou se promène au bois de Boulogne, ou en bord de mer. On a toujours l'impression chez l'Artigue que nous avons une vie de vacances. Hein, c'est un regard gourmand, aussi bien sur les femmes que sur le monde. Hein. Voici Bibi. Il parlait de sa relation élémentaire avec le monde dans lequel il plaçait dans ses boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, c'est cette façon de retenir les choses. Ça s'appelle une photographie. Des images souriantes, des images aussi de petits clins d'œil d'une intimité conjugale, ce qui, pour cette photo de 1915, si je me souviens bien, était quand même un peu osé pour l'époque. Il y a beaucoup de photos de Bibi, hein, sa femme, dans des situations de très grande intimité. En voici une autre, et par la même occasion, là, vous avez encore une photo dans la photo, enfin, vous avez une image, plutôt, du photographe dans le miroir de gauche, pendant que Bibi prend son bain. Ou bien une image, peut-être, d'intimité, pour ne pas dire de trivialité, hein, dans cette image qui, là, pour 1920, est aussi un petit peu osée. Hein. Voici une image de 1925, le lit. Le lit, c'est le lit des Lartigue. Il y a là aussi, dans cette photo, des photos au mur de la famille Lartigue et du mariage sur la gauche des parents Lartigue. Alors, c'est intéressant parce que Lartigue a photographié le lieu le plus intime, hein, puisque le sujet, notre sujet de ce soir, c'est l'espace intime. Ben, il n'y a pas plus intime que l'espace. Il n'y a pas plus privé que le lit conjugal. Et il y a placé trois générations avec ce petit enfant au milieu de ses grands-parents et les deux fils Lartigue avec leur épouse. Donc, trois couples. Et ce grand lit, figure symbolique de la grande question qu'aimait soulever Freud, qui est « d'où est-ce que je viens ?» Chacun ici a la réponse de ce lit. Hein. Lit monumental, mémoire concrète des corps et des actes sexuels qui ont donné naissance à chacun qui s'est réuni dans cette photographie du lit Lartigue. Donc, espace on ne peut plus intime et que Lartigue a malicieusement photographié dans ces conditions que vous voyez. Autre lit, autre photographe. Elle est américaine, elle est née en 1951, elle s'appelle Sally Mann. C'est une photographe qui a beaucoup travaillé les questions de l'espace intime en photographiant ses enfants, très peu elle-même, hein, mais ses trois enfants, et sous forme d'une chronique du quotidien. Chronique du quotidien faite d'abord du point de vue photographique d'images superbes faites à la chambre photographique, donc très grand format qui restitue de très belles images, avec un travail méticuleux sur la lumière et des choix d'instants lumineux particuliers. Bon, vous en avez un exemple ici, extrait d'un livre qui s'appelle « Immediate Family », un livre de 1992. On lui a reproché un climat quelque peu troublant. Par exemple, dans cette image ainsi que la précédente, où elle montre ses propres enfants, ses propres filles, hein, sous des traits un peu provocants, ce qui lui a été reproché, plus que reproché. Elle a été censurée, elle a été attaquée. On a lacéré des livres, on a écrit sur les murs quelques mots peu aimables sur les murs d'exposition où elle exposait. Bref, aux États-Unis, elle a fait son petit scandale, alors que, par ailleurs, certains voyaient dans ces images de famille une innocence, une insouciance, un climat un peu paradisiaque pour ses enfants. Elle s'est défendue d'une façon qui m'étonne un peu. Je vous lis sa défense.
Ce que la plupart des gens qui ont critiqué ce projet n'ont pas réussi à comprendre, c'est que prendre ces photos fut un acte séparé de mon rôle de mère. Ce ne sont pas mes enfants, ce sont des figures sur du papier argentique glissant hors du temps. Alors, je vous passe sur les débats qui ont eu lieu aux États-Unis où on est très sensible, par exemple, aux questions de pédophilie. Hein. Ce garçon, c'est son fils, hein, il s'appelle Emmett. Cette image est à la fois belle, mais troublante, peut-être un peu lugubre. Hein. Et ses enfants l'ont défendu lorsqu'on lui a reproché d'exhiber, hein, puisque... Vous parlez d'exhibition en commençant, d'exhiber ses propres enfants ainsi que son mari. On a écouté ses enfants et ses enfants l'ont défendu en disant qu'eux n'avaient pas eu cette impression. Bon, bref, voici encore quelques images de Saliman. Son mari a été très gravement malade. Elle a aussi longuement photographié l'intimité conjugale. Voici son mari, mais avant sa maladie, avec ses deux filles, photo dont, qui a fait pas mal jaser aussi. Mais elle a photographié ici sa douleur avec pudeur et tendresse au moment où son mari commençait à être gravement malade. Et pendant 6 ans, elle a photographié son mari et une certaine déchéance physique, hein, de ce monsieur qui s'appelait Larry et qui a donné lieu à un livre qu'elle a appelé « Proud Flesh », hein, la chair fière. Voici un photographe français que j'ai rapproché de Saliman, qui est américaine, mieux que français si j'ose dire, il est bordelais. Il s'appelle Alain Laboile, c'est un photographe qui a fait un travail un peu proche, c'est un sculpteur aussi, de sa famille, de l'intimité, de la quotidienneté de sa famille, dans une maison de campagne, pas très loin d'ici, à Arbis, pour ceux qui connaissent, maison isolée dans laquelle il laisse jouer ses enfants. Ces enfants qui n'ont pas la chance de profiter de la télévision ni d'Internet, mais qui par contre jouent beaucoup autour de la ferme, dans le ruisseau, et cette vie intime et familiale est le sujet d'une œuvre abondante de Alain Laboile. Voici des images de jeu, d'exaltation enfantine, où on a une impression de jeu naturel, de liberté. Je crois que c'est plus qu'une impression, hein. Liberté et marginalité, plus ou moins revendiquées par Alain Laboile, qui dit « Nous sommes au bord du monde ». C'est le titre d'un de ses livres et il parle de la vie atypique de ma tumultueuse famille nombreuse. On vit au bord du village, au bord de la ville. Bref, c'est une chronique de la vie quotidienne, là aussi, hein, très, très habile photographiquement, là aussi, magnifique lumière. Voici le sculpteur et c'est l'environnement, hein, de sa maison et une photographie de sa fille où parfois ses jeux enfantins un peu innocents basculent dans l'étrangeté, une certaine incongruité de certaines images. Bon, là, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus gentil, hein, avec la patte de ce chat ou de cette scène. Voici un autre photographe qui s'appelle Guillaume Geneste, qui fait un travail proche des deux précédents, c'est-à-dire de l'intimité, de l'espace familial. Et vous avez ici son épouse et ses deux enfants et lui-même. Car tout à l'heure, je soulevais cette question, est-ce que le photographe peut dire « je » non ? Est-ce qu'il peut être présent dans l'énoncé, on dirait pour un texte photographique, il le peut s'il se représente. C'est le cas de Geneste, qui se représente parfois entièrement, hein, comme vous l'avez vu dans la photographie précédente, dans cette scène la plus quotidienne, hein, dans une familiarité
ou bien sous forme d'ombre. Image de gauche, alors je n'ai pas changé la mise en page du livre, les photos sont, c'est la page 30 et 31 de son livre d'ailleurs, hein, d'un de ses quatre livres. Donc il a conservé cette mise en page que j'ai conservée moi aussi, hein, je ne les ai pas replacées horizontalement. Mais vous voyez la double présence, à gauche c'est une ombre, et à droite de l'auteur, hein, et à droite c'est sa nuque observant son épouse. Il dit... Photographier est pour moi un acte amoureux intimement lié à ma rencontre avec Colette en 1991, que vous voyez ici. Je photographie par envie et besoin, et l'appareil de photographie est le complice de l'amour. Et cette image, évidemment, sa citation, et voici deux images de lui avec ses enfants, mais avec une présence, vous voyez, un peu... sous forme d'ombre, hein, présente, discrète, mais il est toujours présent dans ces images, dans cette espèce de mélodie du bonheur qu'illustrent ces trois livres d'autobiographie. Et voici encore une image de lui. La présence, là aussi, qui pourrait être une maladresse, hein, pour certains photographes, qui est au contraire, je crois, une image forte de tendresse. Les corps se touchent, hein, chez Genest. Une espèce de tendresse, de complicité. Voici encore une image de Genest. Et une dernière, la photographie complice de l'amour. Je vous reprendrai avec cette image la citation de tout à l'heure. Julien Magre travaille dans la même direction. Intimité familiale, il photographie ses enfants et sa femme Caroline. Mais là aussi, il y a quelque chose qui est un élément un peu troublant, hein, un peu étrange, qui nous fait douter de la réalité ou de la fiction de cette image. Hein. Ça pourrait être une image de fiction. Et voici un autre exemple d'un quotidien ordinaire qui dérape un peu dans une inquiétante étrangeté. Hein. Ou celle-ci. Un peu saugrenue, l'intimité familiale de Julien Magre, ou celle-ci, que j'aime beaucoup personnellement. Et nous passons à un photographe qui travaille dans la même direction, qui s'appelle Emmett Goeen, photographe américain qui est bien plus âgé que les jeunes précédents que vous venez de voir, et qui photographie ses enfants, sa femme, et là aussi dans le quotidien de leur maison, avec des éléments aussi un peu perturbateurs, un petit quelque chose qui interroge, qui dérange, que fait cette petite fille d'Emmett Goeen, est-ce qu'elle s'éveille, est-ce qu'elle s'endort, il y a quand même quelque chose dans la lumière aussi, dans le contraste qui nous interroge, de même que ce quatuor étrange. Ou celle-ci. Alors, Goeen est un très grand photographe, hein, américain qui relie photographie et religion. C'est un méthodiste qui, à plusieurs reprises, a signalé que la photographie était une expérience intérieure et quasiment religieuse pour lui. Il écrit ceci, « Une photo est pour moi comme une prière, un moment de communication entre un humain et un autre, une offrande, une ouverture à travers laquelle chercher ce que nous ne savons pas. » C'est donc une expérience intérieure, mais aussi une expérience spirituelle et une expérience temporelle, parce que voici une photographie parmi d'autres de sa femme, Edith, et à la droite de l'image, vous voyez légèrement flou la grand-mère d'Edith qui vieille personne, vous vous en doutez, et la photographie ici met en opposition cette jeunesse triomphante d'Edith et puis une vieillesse déclinante, légèrement floue, et ça n'est pas un hasard. Il va faire de nombreuses photos d'Edith, sa femme, et de sa grand-mère.
En reprenant du reste un thème pictural classique, hein, qui est les âges de la vie, hein, que vous trouvez chez des peintres, qui montrent dans une même image, hein, une jeunesse vive et puis un ou deux autres âges de la vie et des vieillissements sur une seule et même image. Et il ira jusqu'à photographier cette grand-mère d'Edith au moment de sa mort, dans ce qui pourrait être peut-être l'intimité la plus intime, la plus privée, celle de la photographie d'une personne décédée, et photographie donc d'une personne qui n'a ni conscience ni consentement de l'image que l'on fait d'elle. Araki, photographe japonais, qui photographie tous les jours, sans arrêt, on peut dire, depuis de nombreuses années. Il est né en 1940. C'est un photographe très connu qui tient un journal intime photographique qui l'accompagne de textes. Je ne vous montrerai que des photos. C'est un photographe qui veut tout écrire, tout inscrire avec son appareil photo, comme un journal de bord. Mon corps est devenu un appareil, dit-il. C'est-à-dire que sans arrêt, avec un ou deux appareils dans la poche, avec boulimie, il photographie tout ce qu'il voit. Alors, il photographie la rue à Tokyo, c'est le cas. C'est surtout une photographie de sa vie de tous les jours, comme cette image relativement banale. Araki ne cherche pas l'originalité, loin de là. Il ne cherche pas non plus la belle image. Souvent, ces images sont, certains photographes diraient, un peu sales, plus ou moins bien cadrées, avec une bascule, c'est-à-dire que, vous le voyez par exemple ici, les rideaux penchent légèrement, donc on n'est pas dans l'image canonique, la beauté canonique de la photo, mais dans une quotidienneté, une intimité qui laisse de côté le souci d'une image belle, d'une photo belle. Il n'y a pas de sujet noble non plus. Chez Araki, il photographie des choses qu'il voit, qui sont sur ses pas. Ce qui compte finalement, c'est pour ça que j'ai choisi Araki en vous parlant de photographie de l'intime, c'est que la photographie, au fond, pour lui, c'est une manière de signer son passage. Ce n'est pas tellement le sujet qui compte, c'est j'y suis, je suis là et je laisse une trace par ma photographie. Un peu comme le petit poussé qui laisse des cailloux sur son passage, Araki laisse des photos, enfin fait des photos sur son passage et il les date. Et c'est ainsi qu'il y a un ancrage existentiel, temporel dans ces photographies qui fait que ce sont des photographies d'intimité. Même lorsque ce sont des photographies d'extérieur, Araki les date très précisément et même l'heure parfois. Et cette fixation dans le temps en fait une sorte de journal intime. Quitte à faire des photographies de Monsieur Tout-le-Monde. Voici Araki et son épouse, Yako. Il a fait plusieurs livres sur Yako. Cette photographie, c'est une photographie extrêmement banale de mariage, extraite d'un livre qui s'appelle Voyage sentimental, dans lequel il raconte le voyage de noces avec Yoko, que vous voyez ici. Et Yoko qui... alors, voici une photographie typique d'Araki, qui est très connue par ailleurs. Vous connaissez peut-être ces photographies érotiques, que je ne vous montre pas parce que, bon, c'est pas vraiment, ça n'entend pas tout à fait dans mon sujet. Mais vous avez ici une photographie tout à fait banale d'une intimité conjugale, ici encore, de Yoko et de Araki. Yoko qui sera malade, qui va avoir un cancer, et il va faire un livre, non plus Voyage sentimental, comme celui du Voyage de noces, mais un livre qui s'appellera Voyage d'hiver. Peut-être en hommage aussi à Schubert, au Voyage d'hiver, et à l'atmosphère aussi morbide de cette musique. Voici une photo que je ne commente pas, mais qui vous montre que l'intime, c'est aussi l'ultime,
chez Araki. Qui, lui aussi, photographie Yoko dans son cercueil. Alors, ces photographies de défunts dans leur cercueil peuvent gêner aujourd'hui, parce que nous cachons la mort, parce que nous en avons peur, hein, très certainement, mais il faut savoir que la photographie, au XIXe siècle, a connu une pratique, mais très forte, qui consistait à photographier les morts. Et il y avait deux types de commandes, hein, car c'était plutôt des professionnels qui faisaient ce travail-là. Soit on photographiait, comme ici, Araki, la personne dans son cercueil ou sur son lit de mort, soit une pratique qui étonne aujourd'hui, mais qui était assez répandue au 19e, on photographiait le mort en le faisant vivant, c'est-à-dire on le mettait debout avec tout un appareillage en bois qui s'appelait le porte-mort. On le mettait debout et on l'entourait. Et on lui ouvrait les yeux, on lui faisait les yeux ouverts artificiellement, on le maquillait un peu, et ces images du XIXe siècle nous présentent des morts au milieu de vivants dans une intimité, pour le coup, intimité-morbidité. Et aujourd'hui, ces photographies, enfin, que je sache, ne sont plus beaucoup pratiquées, sauf par certains artistes. Il y a un artiste qui s'appelle Andrés Serrano, qui renoue avec ces pratiques, ou bien un photographe américain, Joel Peter Witkin, qui fait ça lui aussi. Et je passe à une photographe américaine qui s'appelle Nan Goldin, qui est née en 1953, qui nous fait pénétrer en image dans son espace privé, dans son intimité conjugale, sexuelle, et aussi dans celle de ses amis, un monde underground, un monde de drogués pour un certain nombre et de marginaux qui sont dont la vie est restituée par Nan Goldin, au point que elle-même, battue par son compagnon, se photographie. Voici une photographie très très célèbre, hein, extraite d'un livre qui s'intitule The Ballad of Sexual Dependency, hein, un livre de 1985. Donc, une image qui a évidemment été très, très critiquée pour les raisons que j'évoquais, hein, tout à l'heure. S'agit-il d'exhibitionnisme? S'agit-il d'un projet artistique? Voici, c'est un des compagnons de cette vie qu'elle a photographié, de cette intimité de violence, de marginalité, de sida. Elle a photographié des amis victimes du sida. Nous sommes dans ces photos de Nan Goldin à l'opposé exact d'une photographie qui pourrait être privée aujourd'hui, mais je mets les guillemets, et qui est le selfie. Pourquoi ? Parce que dans le selfie, rien de ce qui peut être douloureux, dramatique, ne doit figurer. Dans le selfie, du moins le plus pratiqué, hein, il s'agit de surjouer le bonheur. Il s'agit de faire des grimaces soi-disant désopilantes, il s'agit d'arborer un sourire d'hyper-fun et de montrer ce que l'on est, sa vie privée, d'une façon de toujours heureuse. Et là, ces images nous gênent peut-être parce qu'elles arborent le contraire. Hein, c'est-à-dire, voici, hein, le sida et la souffrance de ces deux amis de Nan Goldin, qui fait fusionner vie et intimité photographique. C'est un des exemples sans doute les plus forts, critiquables, certes. Alors, voilà, je vous ai montré une série de photos qui ont pour point commun des photographes qui n'hésitent pas à montrer leur vie quotidienne, quitte parfois, comme ces dernières images, à provoquer, hein, à dynamiter des convenances photographiques ou des convenances sociales, hein, pour certains photographes à dédaigner les codes de la belle image. Je le disais pour Araki, on peut le dire également pour les photos que vous voyez en ce moment, hein, de Nan Goldin qui n'a que faire de la lumière. Ce sont des images sales, hein, des couleurs
pauvre, dans les espèces d'oranges, de verdâtre. Bref, on est dans le trash photographique. Et l'intimité ici ne cherche en aucun cas à faire de l'esthétique. Il s'agit aussi de prendre des risques. L'intimité photographique que vous voyez là, je pense que vous le sentez, c'est aussi un peu risqué. Et je parlais en commençant d'autobiographie, certains écrivains qui ont pratiqué le journal intime autobiographie ont bien relevé que l'autobiographie devait comporter une part de risque. Sinon, c'est la platitude qui guette. Et certains de ces photographes, je pense, entreraient dans cette catégorie. Un des grands autobiographes du XXe siècle français, qui s'appelle Michel Léris, a écrit une importante autobiographie, mais il l'a faite précédée d'un petit livre qu'il a intitulé « De la littérature considérée comme une tauromachie », dans lequel il montre que pour lui, il faut qu'il, en montrant son intimité, et en particulier ses angoisses, ses craintes et ses fantasmes, il faut qu'il prenne un risque comparable à celui du toréador dans l'arène, d'où le titre « La littérature considérée comme une tauromachie ». J'y pense en voyant les images que vous avez vues d'Araki ou de Nan Goldin, on pourrait citer notre bordelais Molinier, qui aussi a pris des risques dans la révélation de sa vie intime sexuelle. D'autres photographes travaillent sur d'autres terrains. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie intime, l'image de soi, ça peut être aussi une certaine mise en scène. C'est le cas avec cette photographe qui est présente à l'image, avec sa sœur. Il s'agit de Vibeke Tandberg, qui est une Norvégienne née en 1967 et qui nous montre dans une série qui s'appelle « Living Together »,« Vivre ensemble », ses deux sœurs, dans une intimité très ordinaire, comme vous le voyez, on regarde la télé dans le salon, on fait la vaisselle dans la cuisine. Sauf que, regardez bien, il s'agit de la même. Il s'agit d'une seule jeune femme, Vibeke Tandberg, l'auteur qui, par une manipulation numérique, s'est créée la sœur qui lui a manqué. Le fantasme d'une deuxième sœur qui n'a jamais existé, qu'elle a souhaité, s'est réalisé par la photographie. Alors, c'est assez amusant parce qu'elle a choisi justement une intimité, intimité-banalité. Banalité souvent signifie vérité. Si c'est banal, c'est que c'est vrai. Eh bien non, ici c'est très banal, mais c'est faux. C'est faux, vous n'avez qu'une jeune fille qui joue à être sa propre sœur. L'autre ici, c'est l'alter ego, c'est elle-même qui crée sa propre sœur et qui, par la même occasion, joue de la photographie. Car la photographie ici permet une vie réelle corrigée, une vie intime doublée, en quelque sorte, et qui permet la réalisation d'un fantasme, un fantasme en image. Freud disait de la religion, c'est la réalisation hallucinatoire d'un désir. Eh bien, vous avez ici la réalisation hallucinatoire d'une sœur qui n'a jamais existé. Autre photographe, présente à l'image, c'est encore une femme, elle s'appelle Dita Pepe. Elle est tchèque. Elle a fait une série d'autoportraits en famille. Vous voyez, un mari, quatre enfants, dont un qui tête le sein de Dita Pepe. Et je vous ai annoncé en commençant que la photographie de l'intime, c'est parfois une question sur sa propre identité. C'était le cas avec la précédente, c'est encore le cas ici. Vous allez, je pense, vite comprendre pourquoi. Voici une deuxième photographie du couple avec la même photographe. Mais vous avez compris, je pense, c'est une femme caméléon. C'est une fausse épouse, une fausse mère et une fausse identité et une fausse intimité, évidemment. Tout est faux dans la mesure où cette photographe a mis en scène, s'est mise en scène dans différents pays avec différents maris, entre guillemets, différents enfants qui ne sont pas les siens, évidemment, et même différents chiens, comme vous le voyez.
En présentant ici une sorte d'identité multiple d'elle-même et qui répond, selon elle, à la question qu'elle s'est posée dans cette démarche photographique et artistique. La question, c'est « Qui suis-je ? Que se serait-il passé si j'étais né ailleurs ?» C'est-à-dire dans un autre pays, dans une autre culture, avec un autre mari, avec d'autres enfants, avec une autre intimité. Et elle ajoute, la photo est pour moi une thérapie. Et en outre, nous avons ici un travail photographique intéressant. Pourquoi ? D'abord parce qu'il reproduit les codes de la photographie la plus banale de l'intimité familiale. Bon, pose classique, vous le voyez. Qu'il reproduit également une belle lumière qui pourrait accentuer l'impression de vérité de cette photographie. Et c'est, enfin, c'est moi, c'est ce qui m'intéresse aussi hein, dans cette image, c'est qu'elle nous questionne sur l'impression de vérité que donne une image photographique. Même si cet homme, ses enfants, ce chien existent bien, hein, évidemment, mais en voyant une image, on pense évidemment à une intimité familiale. Et c'est évidemment, dans ces images convenues, un mensonge de plus. Voici une dernière intimité familiale de Dita Pepe. Alors, sur ce terrain, je vais terminer avec une photographe, encore une femme, née en 1963. C'est une Anglaise ce coup-ci, ce n'est pas elle, et c'est elle en même temps. Je vais vous expliquer. Gillian Wearing, c'est d'elle qu'il s'agit, a récolté des photographies de ses parents. Et de ses parents, elle a créé ce qu'elle a appelé un album de famille, mais avec plein de guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. Car il s'agit d'une supercherie. À partir de ses photographies, elle a confectionné des masques. Des masques très, très travaillés. Hein. Elle a suivi des formations à Londres, à ce musée dont j'oublie le nom, Madame Tussaud, je crois, hein, du type du musée Grévin, et elle a travaillé des masques qui reproduisent le visage de sa mère, ici. 4 mois de travail pour faire le masque de sa mère. Et elle a endossé le masque de sa mère, et vous avez là, ici, au fond, un double portrait, c'est-à-dire un portrait de sa mère, avec des guillemets, puisque c'est un masque, et un portrait de l'auteur, la fille, Gillian Wearing, puisque ce sont ses yeux. Et d'ailleurs, cette image s'appelle self-portrait, autoportrait en ma mère. Et elle a fait la même chose avec son père. Vous avez les yeux de l'artiste ici, et vous avez le masque et évidemment les vêtements qui accentuent le simulacre, hein, les vêtements de son père. Alors, c'est un portrait, c'est un autoportrait, hein, mais c'est un autoportrait à double sens ou à triple sens ou à quadruple, puisqu'elle photographie aussi, elle se photographie en sa grand-mère, hein, avec le masque de sa grand-mère. Et nous avons, dans tout ce travail, la révélation d'une intimité, d'une lignée. Hein, c'est-à-dire que, ici, cette photographe travaille sur l'image et sur la filiation. Ses yeux sont toujours ses yeux à elle. Hein. Dans ses portraits, il y a toujours un peu de soi dans l'autre. Hein. Il y a toujours un peu de l'autre dans soi. Hein. Les yeux de Gillian Wearing et le visage de sa grand-mère ou de son grand-père, comme vous le voyez ici. Gillian Wearing étant l'agent liant de la lignée familiale. Son oncle, sa sœur. Alors, quand on regarde de près les photos, la supercherie est apparente, hein, parce qu'on voit un peu le pli ici sous les yeux du masque. Il y a des éléments qui sont un teint cireux, des yeux qui ne sont pas très, très, très en place, si j'ose dire. Et l'ensemble construisant quand même une identité somme autour du regard
la fenêtre de l'âme, disait Léonard de Vinci à propos des yeux dans la peinture. Alors, je voudrais terminer avec des images d'intimité radicalement différentes et peut-être plus réjouissantes que certaines de celles que je puis vous montrer. Un couple qui photographie sa vie de tous les jours, son intimité domestique. Ce sont deux Allemands qui s'appellent Anna et Bernhard Blume, qui sont nés en 1937 et qui photographient donc leur espace, un espace en folie. C'est une intimité domestique, mais comme vous le voyez, dans une intimité, dans un désordre, hein, une intimité très chaotique, hystérique, tout tourbillonne, les objets, le contraire même de ce que vous avez vu en début de projection, tout chavire, tout tourbillonne, tout dérape, les pommes de terre volent, la maîtresse de maison est parfois en lévitation, parfois en renversement sur sa chaise, et l'espace familier ici est fait de dérapage, de décalage, d'un monde de fou, hein, de flou. La pile d'assiettes. Alors, on est dans un univers burlesque, hein, mais c'est une cocasserie un peu grinçante quand même, car les deux auteurs ne s'en cachent pas, ils s'amusent et ils critiquent. Ils critiquent aussi l'intimité de la vie de la petite bourgeoisie allemande. Ces sarcasmes photographiques, hein, sont dirigés contre cette morne vie qu'il dénonce à travers ces images délirantes. Voilà. Alors, je voulais finir par ces images pour vous montrer que l'espace photographique est très divers. Hein. Vous avez vu les premières photographies qui sont exactement à l'opposé de celle-ci, un monde poétique, harmonieux, stable, hein, des objets qui nous tranquillisent. Vous avez vu aussi des images de photographes qui n'hésitent pas à montrer un quotidien banal, trivial pour quelquefois, d'autres un quotidien et une intimité et un espace de douleur et de tragédie. Et pour finir, je voulais terminer avec cette intimité burlesque. Merci de votre attention. Eh bien, merci infiniment pour ces explications qui nous ont aidés à rentrer dans l'intimité des différents photographes présentés ce soir. Et c'était une très belle promenade. En plus, vous nous avez fait découvrir leur vie à chacun. Et en plus, je dirais qu'effectivement, il y avait tous les sentiments de l'intimité. C'était des intimités très diverses. Donc, c'est une belle promenade. Moi, personnellement, c'est la photo de Nan Golding, les photos de Nan Golding qui m'ont le plus marqué, tellement elles étaient fortes. Voilà. Je pense que vous allez avoir droit à plein de questions. Donc, je laisse la parole. Alors, pour pouvoir prendre la parole, il faut que vous, non seulement vous leviez la main, mais que vous réactiviez votre micro. Les micros ont été coupés pendant la conférence. Donc, tout en bas, à gauche de votre écran, vous pouvez réactiver vos micros. Moi, je ne vois que... Non, pas vous. Vous, c'est bon. C'est pour les personnes qui veulent prendre la... D'accord. Mais si moi, je peux voir les personnes, c'est, ça peut être bien. Alors, mais bon. Pour voir les personnes, vous pouvez maintenant revenir à plein écran. Donc, en haut à droite de votre écran... vous avez affichage. Oui, je le... Non, tout en haut, vous avez affichage sur votre écran d'ordinateur. Non, je n'ai pas. Bon, bah, écoutez, c'est pas... Pas là, c'est sur l'écran lui-même de l'ordinateur. En fait, là, vous pouvez réduire cette petite... Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Ici. Oui, tout en haut. Et vous avez normalement... Non, pas là. Voilà. Tout à fait à droite. Non, on ne parle pas de la même chose. Je ne parle pas du bureau. Je ne parle pas de votre bureau, je parle de votre écran d'ordinateur. Mon écran. De Zoom. De Zoom, que j'ai perdu là.
Ah, d'accord. Que j'ai perdu. Si monsieur Pitot appuie sur le petit moins qui figure en haut à droite de son propre écran de bureau, oui. L'image va se réduire. Oui, c'est fait. C'est fait. Mais ça apparaît toujours pourtant. Oui. Oui. Attends, bon. Je vais aller dans l'affichage. Moi, j'ai affichage. Ah ben, c'est moi qui ai tout perdu maintenant. Ah. Oh, je suis désolé. Hein. Non, non. Je ne comprends pas pourquoi ça ne réduit pas. Vous ne pouvez pas supprimer la... Ah, voilà. Ah. Voilà, ça y est. Voilà, je crois que c'est bon. Je ne touche à rien. C'est moi qui viens de le faire, mais par contre, vous n'avez plus votre bureau. Donc, si on Sauf si je devais remontrer des photos, ouais. Mais sinon, ce n'est pas grave. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. D'accord. Ça ne me gêne pas. Alors, il n'y a pas de souci. Françoise, voilà. Il faut que tu remettes ton micro. Alors, tout en bas de l'écran, à gauche, il y a désactiver ou activer le son. Il faut que tu cliques dessus, sur le micro. Aïe, aïe, aïe. En bas de ton écran, Françoise. Je la vois regarder en haut alors que c'est en bas. À gauche. En bas à gauche. Il y a un petit micro dessiné. Voilà, bravo Françoise. Oui, c'est un peu laborieux chaque fois, mais j'y arrive. Merci infiniment parce que c'était vraiment tout à fait passionnant. Et on a l'impression qu'on pourrait aussi poursuivre. Il doit y avoir encore une infinité de pistes dans ce domaine de l'intimité. Moi, ce qui m'a paru très intéressant, que vous commenciez par Claude Bateau, c'est de réaliser que on entrait dans une certaine intimité sans voir de personnage, en étant dans le domaine des objets. Et cette façon de photographier, évidemment... Il y a un cadrage, il y a une sélection d'objets. Voilà. C'était assez émouvant et assez fort, finalement, comme entrer dans une certaine intimité sans autre représentation de figure ou de corps. Et par exemple, d'autant plus qu'ensuite, vous nous avez montré, non pas tout à fait après, mais pas loin, Jacques-Henri Lartigue, où là, effectivement, il m'a semblé quand même, il y a bien sûr une forme d'intimité qui est montrée, familiale, mais une forme de théâtralisation, en particulier dans ce grand lit. Bon, il y a quand même, on est plus à distance, finalement, d'une certaine émotion, me semble-t-il, que personnellement j'ai ressenti dans les photos de Claude Bateau. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est, est-ce que vous seriez d'accord que, quand vous avez parlé du photographe japonais, de relier à Roman Opalka, qui lui se photographiait aussi tous les jours, et tout en enregistrant, ce qui était quand même un comble, enfin un plus d'intimité, si on peut dire, enfin tout en enregistrant sa voix, et ceci il l'a fait jusqu'à sa mort, jusqu'à ses derniers moments à peu près. Et c'est un peu aussi une angoisse du temps et de son irréversibilité, enfin, c'est l'intimité de ses angoisses aussi peut-être, dans laquelle on entre là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un lien peut-être avec cette présence, omniprésence du corps, semble-t-il, chez ce photographe japonais. Ces deux remarques. Oui, oui, vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Oui, bon. Moi, j'apprécie bien que vous ayez été sensible aux photos de Claude Bateau et à l'opposition que vous faites avec celle de Jacques-Henri Lartigue, car il s'agit, je crois que j'ai dû le dire, hein, il s'agit réellement de deux mondes opposés, hein, opposés aussi bien sur le plan artistique que sur le plan des personnes, hein, du quotidien, car Claude Bateau,
C'est quelqu'un qui vivait vraiment comme les photos que j'ai montrées le laissent imaginer. C'était une petite dame très, très simple, très, très douce, très gentille, qui vivait dans, dans elle travaillait à la Bibliothèque nationale, et c'est quelqu'un qui vivait dans un petit monde de la photographie, alors que Lartigue vivait dans le grand monde, comme on dit, hein, c'est-à-dire... Bon, à l'opposé, hein, ce sont deux vies radicalement différentes et deux photographies vraiment opposées. Ceci dit, en disant ceci, je ne veux pas discréditer les photos de Lartigue qui sont vraiment intéressantes. Hein. Je vous ai donné juste un petit aperçu, mais c'est une œuvre, hein, c'est énorme. Bien plus en quantité que Claude Batteau, du reste. Hein. Voilà. Alors après, vous parlez de Opalka. Alors c'est amusant parce que je l'ai enlevé au dernier moment. Je voulais le présenter dans la conférence de ce soir et je l'ai enlevé. Mais vous avez bien fait là aussi de faire ce rapprochement sur à la fois le travail d'artiste d'Opalka. C'est-à-dire un travail qui mêle l'écriture, la photographie et, faut bien le dire, une certaine décrépitude du corps, hein, parce que vous avez fait allusion à ces photographies qu'il prend régulièrement de lui-même après son travail, en fin de travail en quelque sorte, et il les a rassemblées, ces photos. Et elle constitue un panneau dans lequel on voit, année après année, le visage d'Opalka vieillir. Jusqu'à des dernières images qui sont des images d'hommes âgés, hein, voilà. Et donc, je voulais le présenter, en parler, mais bon, pour des questions de temps, il fallait que j'élimine. Il y avait lui, il y avait aussi peut-être un photographe qui pourrait vous intéresser, si cette question vous intéresse, c'est Richard Avedon. Richard Avedon, qui est un photographe américain, qui est très connu pour des images... on va dire classique de portrait en studio, mais qui a photographié la maladie de son père et des portraits successifs façon Opalka, même si c'est très différent comme projet artistique, des images de son père tout au long de sa maladie. Et c'est aussi ce travail d'une très grande intimité qui peut déplaire, j'en conviens, qui personnellement me touche, comme celui d'Opalka et comme celui de Araki, hein, qui a photographié Yoko, son épouse, jusqu'au dernier moment. Je trouvais beaucoup de romantisme dans les photos de Yosef Sudek. Oui. Je trouvais que c'était vraiment extrêmement romantique. Tout à fait. C'est de véritables tableaux, quoi. Oui, c'est vrai. C'est lui qui était amputé. Et oui, quand il a fait ses photos, il était déjà amputé. C'est ça. Et elle date de 1916, or elles paraissent... Non, un peu plus... Non, les photos que vous avez vues ne sont pas de 1916, un peu plus tardives. Okay. Mais quand vous parlez de romantisme, vous avez raison. Alors les photographes emploient un autre mot, c'est... Sudek, c'est quelqu'un qui a repris une tradition qui s'appelait le pictorialisme, c'est-à-dire une photographie qui imite la peinture. Oui, ah oui, tout à fait, vraiment. Voilà. Et donc, Sudek reprend ce courant international hein, qu'on a appelé le pictorialisme en photographie, avec ce goût du flou, ce goût d'une certaine opacité de l'image. Oui. C'est vraiment beau. Et, une certaine imitation de la peinture dans la pâte, quoi, si on peut dire, pour la photo. Et j'ai trouvé les photos d'Ita Pepe drôles, quoi, parce que c'est, je trouve ça plein d'humour. Oui, oui, il y a de l'humour. Il y a de l'humour. Il y a une interrogation quand même. Oui. Enfin, en même temps. Je crois que... Je l'ai présenté un peu comme une quête d'identité, hein, ou une enquête sur l'identité, plus exactement, mais qui fait sourire, oui, bien sûr, hein, parce qu'il y a une part de jeu, évidemment, hein, de jouer à être un autre et à être ailleurs, c'est un jeu, bon, photographiquement, c'est intéressant. Hein. Oui. Et moi, je voulais vous demander, tous ces photographes, ils ont fait ça pour leur propre usage
ou pour se faire connaître, pour les, faire partie d'expositions ou vendre leurs photos? Est-ce qu'ils mélangent l'intime avec l'extérieur? Je crois qu'on peut dire les deux. Je pense que chez tous les photographes que je vous ai présentés, il y a un engagement personnel. Il y a un engagement qui fait que la photographie n'est pas une pratique anodine. C'est pour ça que je parlais du selfie tout à l'heure. Ce n'est pas une pratique occasionnelle. C'est une pratique quotidienne, biographique. C'est pour ça aussi que j'ai comparé avec l'autobiographie. Donc, il y a un engagement personnel. Mais tous ces photographes ont été exposés, ont fait l'objet de publications dans des revues et de livres, jusqu'à l'énorme quantité d'Araki, qui, bon, c'est un cas particulier, hein, qui a publié 400 livres de sa propre intimité, de sa propre, enfin, pas seulement, mais de sa vie, disons, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets chez Araki. Mais en tout cas, tous ont le souci d'être vus, que leurs photos soient vues, et eux-mêmes, d'une certaine façon, puisque pour ce soir, en tout cas, c'était des photographies d'intimité. En tout cas, c'est passionnant. Hein. Absolument. Surtout quand on n'y connaît rien comme moi. Bon. La seule. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. On ne vous voit pas, par contre. Je vais essayer d'activer ma caméra. Je ne sais pas si ça marche. Non. Je voulais féliciter, Claude pour cette... cette superbe présentation sur cette thématique. Lui faire part aussi au niveau, à titre personnel, moi aussi je suis très très sensible, il n'a pas montré d'image, il fallait faire des choix, et c'est jamais évident de faire des choix, parce qu'il y a tellement de photographes qui ont abordé cette thématique de l'intimité, mais moi aussi je suis très sensible au portrait de Richard Avedon, de son père mourant, il a fait des portraits magnifiques de son père à ce moment-là. J'ai découvert, j'en avais entendu parler, mais c'est sans doute le travail que j'ai le plus apprécié ce soir. Pépé, cet artiste qui se met en scène une situation familiale qu'elle crée pour l'occasion. J'ai trouvé ça très, très intéressant parce qu'il y avait une vraie recherche, on va dire, un peu conceptuelle sur cette notion d'identité, de famille et cette facilité, cette capacité qu'elle a à se photographier comme ça avec un faux mari, de faux enfants, mais tout paraît si naturel, si fluide, et je trouve ça très, très pertinent. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a énormément d'autres photographes qui auraient pu rentrer dans cette thématique ce soir. Je pense comme ça, très rapidement, aux premières photos de Cindy Sherman, lorsqu'elle se photographie en noir et blanc, chez elle, en reprenant les codes de la photographie de mode, mais justement en critiquant la société de consommation et le statut de la femme à la maison. Il y a un côté très, très intime, justement, où elle se photographie dans des intérieurs. Je pense aussi à Antoine d'Agata, tout son travail aussi très, très dur vis-à-vis de lui-même, sans concession, où il monte dans son intimité jusqu'à des ébats sexuels avec des prostituées. Enfin, voilà, il y a évidemment d'autres photographes qui rentraient dans cette thématique, mais je trouve le choix de Claude voilà, très, très judicieux parce que justement, il offre une palette très, très éclectique et avec des entrées, des portes d'entrée voilà, qui sont très intéressantes. Donc, merci à toi, Claude, pour ce moment de merci. Partage. Merci. C'était peut-être Bernard Brisé. C'est ça. Oui. Bon, merci Bernard, c'est gentil. Oui, oui, moi aussi, tous les noms que tu viens de citer, évidemment, auraient pu figurer, et puis bien d'autres, Plossu, Denis Roche, et etc., etc. Bon, j'ai essayé de... Comment ? Je dis, il fallait bien faire des choix. Voilà. J'ai essayé de faire des choix, peut-être de gens un peu moins connus, pour certains de ces choix-là. Il y a une photo qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est celle de Nan Golding avec cette personne malade dans son lit d'hôpital et l'autre personne l'embrassant. Mais il y a une carte d'anniversaire et il y a écrit 26 ans. Et c'est, en plus, ça marque l'âge de cette personne qui est alitée et c'était d'autant plus fort. Et en plus, elle a l'air beaucoup plus âgée que 26 ans. Donc, ça remue davantage. Et cette photo colorée sur ce lit d'hôpital, j'ai trouvé ça vraiment une photo
bouleversante. Concernant la jeune photographe qui s'invente une sœur, j'aurais voulu avoir quelques, si c'est possible, quelques détails sur le sujet. D'abord, certainement, vous avez besoin d'une sœur, je suppose. Et techniquement, comment elle a fait ? Est-ce qu'elle s'est fait photographier ? Rien de ce qu'il dit. Elle s'est, ou elle s'est photographiée elle-même à distance ? Et comment elle a créé sa sœur, enfin, est-on capable de dire quelle est l'originale de la copie? Oui, alors vous faites allusion à Vibeke Tandberg, hein, qui présente sa sœur fictive. Alors, techniquement, je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est une manipulation informatique, ça n'est pas au niveau de la prise de vue, c'est évident. Ah. Écoute, je ne sais pas comment faire tout ça. Comment, je n'ai pas entendu. Non, c'est question. Quelqu'un qui parlait. Ah, bon, d'accord. Non, techniquement, je ne sais pas. C'est vraiment une manipulation informatique. C'est un domaine auquel je ne touche pas trop. Vous en êtes déjà aperçu ce soir, je pense. Mais c'est vrai que c'était bien monté. Le montage est bien fait. Hein, parce c'est très bien fait. Moi, ce qui m'intéresse dans ce travail chez Vibeke Tandberg, c'est deux choses. D'une part, l'approche personnelle de quelqu'un qui est en quête d'une sœur absente. Faut dire alors bon. Je vais aller jusqu'au bout. C'est une artiste qui a été recueillie par un couple, qui a été abandonnée vraisemblablement. Je n'ai pas le détail de sa vie, mais qui a été recueillie, adoptée par un couple qui l'a plus ou moins laissée tomber en divorçant. Donc, bon, voilà, ça, c'est pas du tout informatique, ça, c'est biographique. Et donc, ce travail qu'elle a fait, quand on dit ça, prend aussi une autre tournure. Hein, c'est-à-dire, le sujet de ma présentation, c'était l'intimité en photographie. Bon, je n'ai pas voulu donner ce détail, je le donne parce que monsieur pose la question. Hein, mais il y a un enjeu personnel fort quand même dans ce travail. Ce n'est pas seulement un jeu photographique informatique. Je crois qu'il y a dans cette approche de Vibeke Tandberg un enjeu personnel, biographique fort, pour ne pas dire thérapeutique. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que son alter ego, sa soi-disant sœur, en fait, est en train de s'occuper d'elle sur chaque photo. Oui. C'est-à-dire qu'il y a du soin qu'elle s'apporte elle-même. Tout à fait. Et on sent qu'elle cherche, c'est un besoin. On le ressent comme ça. Mais si on avait vu les photos sans vos explications, on n'aurait jamais deviné que c'était la même personne, c'est sûr. Exactement, oui, ça c'est sûr. Oui. Mais je veux dire que bon, le jeu photographique informatique n'est qu'un moyen. Oui. Voilà. Ça ne peut pas être une fin. Ce n'est pas un simple bricolage. Oui, oui. Non, je pense que ça va vraiment plus loin, même si le montage photographique est apparemment très très bien réalisé, mais je pense que pour elle, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, ce côté, oui, c'est l'aspect psychologique vraiment, et ce manque de cet être, cette sœur qu'elle n'a jamais eue et qu'elle aurait tant aimé connaître ou avoir à ses côtés. Et effectivement, comme dit madame, il y a pas mal de photos où on la voit où elle est dans une relation thérapeutique, en fait, où son double lui porte des soins, où il y a un geste de tendresse, où il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'affect qui est très, très prégnant dans ces images. Oui, mais sa sollicitude va jusqu'à lui enfiler les chaussons, hein, ce qui est une image intéressante. Oui, absolument. Mais on ne sait pas qui fait quoi, en fait. C'est elle-même pour elle-même. Oui, non, je veux dire, on ne sait pas qui fait quoi. Ah oui. C'est une quête
de sécurité affective, en fait. De cadre affectif. Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Nous. Et bravo pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble, grâce à vous. C'est très gentil. Merci de votre accueil. Et puis, à une prochaine fois. Eh bien, oui. J'ai une requête, M. Pitot, si c'est possible. Oui. C'est lorsque, si ça se produit, si vous le pouvez... c'est de nous épeler les noms des photos. Pour les gens comme moi qui sont totalement ignares dans la matière, prendre vol l'identité des photographes n'est pas toujours évident. C'est vrai. Surtout lorsque ce sont des noms étrangers. Oui. Alors, le norvégien étant particulièrement difficile. Oui, mais enfin, quelquefois même le Grand Breton m'était difficilement accessible aussi. Oui, oui. En tout cas, grand merci. Votre introduction était passionnante. Ah oui, vraiment. Vraiment passionnante et resituer tout ça à la fois dans un contexte littéraire. Oui, ça, c'est intéressant. C'était quand même extrêmement intéressant, les rapprochements que vous avez faits. Et ça, je vous en suis très reconnaissant. Et puis, ce parcours, parce que moi, j'avais le souvenir aussi, vous savez, ces photos, alors je crois qu'elles sont de la famille Lumière. Il me semble, des photos aussi d'intimité familiale de la famille Lumière. Oui, oui. Qui sont je ne dis pas à l'origine, mais en fait, très tôt dans la... Alors, c'est vrai qu'il y a eu les portraits de Nadar, mais il y a eu des portraits aussi. J'ai vu des photographies, alors je ne sais pas par qui elles sont faites, où l'on photographiait des intérieurs. Il y en a beaucoup, oui. Oui, mais c'était des intérieurs du fin 19e, début 20e. Oui, oui. C'était assez intéressant. C'est un petit livre qui est paru sur les personnes que fréquentait Marcel Proust. bon, ça fera rire tout le monde. Mais il y a là-dessus notamment, on a retrouvé là-dessus des portraits, notamment un portrait d'une famille qui occupait à une époque le château d'Hermenonville. Et dont le fils était ami de Marcel Proust. Et on retrouve cette photo sur un bureau à l'intérieur du château. Alors, c'était amusant, les visions qu'on pouvait avoir de ce que pouvait être la vie personnelle de cette famille avec toutes ces photos d'intérieur. Mais bon, c'est purement anecdotique, ce que je dis là. L'an prochain, il y aura mémoire et photo. Oui, alors... Oui, comme l'an prochain, nous avons parlé de la mémoire. Ça y est, c'est fait. Jean-Pierre, ça y est, c'est fait. C'est fait, bon, d'accord. Non, moi, je ne sais pas de quoi on parle l'année prochaine. Un thème sur la mémoire. La quoi ? Mémoire. La mémoire. Et alors, comment on se quitte, là, c'est fini pour l'année, là. Non. Il y a l'AG. Alors, vous avez l'AG qui aura lieu le 1er juillet. Oui, et nous reprendrons en septembre. Et nous espérons que nous serons tous en présentiel au A32. Et voilà. Donc, c'est on se retrouve la prochaine fois le 1er juillet. Oui, au A32. Au A32. D'ici là, il n'y a plus rien. D'ici là, il n'y a plus rien. Voilà. Bon. Eh bien, on se retrouve alors le 1er. Il y a encore un petit déjeuner biblique, je crois. Un samedi théologique. Un samedi théologique. C'est demain, c'est après-demain. Le 26 juin, oui. Il me semble que 26 juin.